Bonjour et bienvenue les taureaux, merci de m'accueillir chez vous pour les énergies, donc pour les taureaux. D'ailleurs, bon anniversaire à ceux qui sont nés en mai, les taureaux qui sont nés en mai, même en avril, enfin voilà, à tous les taureaux, bon anniversaire à tous les taureaux. Donc ici, on va faire le signe du zodiaque pour le mois de mai 2021. Voilà, on y va. On vous demande ici, alors ça on parle de solitude pour certaines personnes, hein. On nous parle encore une fois de, encore une fois. Il est nécessaire, il est peut-être nécessaire d'attendre encore un petit peu et de contrôler vos dépenses. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi, vous devez contrôler vos dépenses, mais aussi vous devez essayer de d'attendre. Il y a une attente nécessaire, une attente, essayez de patienter. Mais c'est nécessaire, ça va être nécessaire, d'accord? Pour certains. Il est possible que ça ne vous parle pas, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est un tirage général. Donc, mais vous pouvez aller voir votre signe du ascendant, votre signe lunaire, Vénus éventuellement pour l'amour, voilà. Donc, vous allez avoir. Alors, comment exprimer avec des mots? Ne renoncez pas à vos rêves. Ne renoncez pas à vos rêves. C'est la carte des pensées. C'est la carte de la solitude. Le soleil, c'est une magnifique carte. Vous posez des questions, vous posez trop de questions. Vous posez trop de questions, vous devez encore attendre un petit peu. Mais surtout ici, ne renoncez pas à ce que vous voulez. Ne renoncez pas à vos rêves. D'accord? Parce que vos rêves, ils vont certainement se concrétiser au mois de mai. Ou en tout cas, il y a des choses qui vont être mises en place au mois de mai. On a le valet de coupe et l'as de coupe. On a ici de la passion, on a ici de l'amour. Voilà, j'ai une personne blonde, un jeune homme, mais peut-être aussi une jeune femme, puisque c'est un tirage général. Donc voilà. Alors, on nous demande ici de vous mettre dans certaines énergies. Attention aussi aux choses qui seraient trop faciles. Qui serait trop belle pour être vraie. Si c'est trop beau pour être vrai ce mois-ci, c'est que ce sera pas vrai. Voilà, faites attention. Encore une fois avec cette carte, vous devez être vigilant par rapport à quelque chose qui va arriver, par rapport à quelque chose de nouveau, d'accord? Je pense que ici, avec le valet de coupe, de toute façon, c'est une surprise, une belle surprise. Qui est en rapport avec la passion, avec l'amour, avec l'amitié. Donc, et avec là, c'est le début. Donc, évidemment, le début. Peut-être vous allez recevoir un message et ça va être le début d'une histoire d'amour, par exemple. D'accord? Cette carte, elle nous dit aussi de mettre ses énergies dans ce qui est études, savoir. Analyse, recherche, etc., etc. Donc, si ça vous parle, c'est pour vous. En tout cas, on est dans un mois de passion, dans un mois de bonheur, d'amour, d'abondance, d'affection.
de festivités. Alors, je sais bien qu'avec le Covid, on est toujours évidemment coincé. Avec ça, évidemment, avec les fêtes, c'est pas évident, mais les festivités quand même. Okay. Allez, on va prendre nos 7 cartes. 2, 3. Ce ne sera pas un long tirage, parce que je ne saurais pas faire un long tirage. Je ne saurais pas, je sais. Allez, on y va les amis. N'oubliez pas que c'est, comme je vous ai dit, c'est un tirage général, donc allez voir vos tirages ascendant Lune et Vénus éventuellement. Toutes les planètes qui correspondent à votre heure de naissance pour pouvoir avoir des renseignements beaucoup, beaucoup plus complémentaires. Alors, les taureaux. On a le mat, le fou. Soyez fidèle à vous-même. Ne vous transformez pas. Restez. Je pense que vous êtes. Et restez dans le droit chemin, si on peut dire ça comme ça. Restez dans le droit chemin. Vous êtes sur la bonne voie. Vraiment, restez fidèle à vous-même. Vous avez, il y a des gens qui vont vous suivre dans des entreprises hasardeuses, pour certains. Donc, vous allez entreprendre quelque chose de nouveau. Vous allez aller vers quelque chose ou quelqu'un de nouveau. Pas quelqu'un, vous allez vers quelque chose de nouveau, vous allez décider, vous décidez de partir comme le fou ou le mat. En tous les cas, vous ne serez jamais seul. Je ne sais pas pourquoi, mais ici vous ne serez jamais seul. Soit il y a quelqu'un qui va de physique qui va vous accompagner, soit il y a quelqu'un qui va vous protéger, quelqu'un qui est déjà parti de l'autre côté et qui va vous protéger de toute façon. Ça me parle ici de l'automne aussi et du scorpion. Le 3 de bâton. Je vais les retrouver. Le diable. Le 2 d'épée. Le chariot. Le roi de coupe. Et le 7 de bâton. C'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Vous n'aurez pas besoin d'avoir l'appui ou le soutien d'une personne influente pour arriver à avoir ce que vous désirez obtenir. Ça va peut-être se faire aussi comme ça, mais vous pouvez très bien, sachez-le, réussir. C'est-à-dire que si vous avez fait une demande d'aide, quel qu'il soit, ce n'est pas parce que la personne ne le fera pas, ou la personne ne sera pas présente, ou il va y avoir un oubli. Peu importe, on s'en fout, vous allez de toute façon arriver à ce que vous désirez. Vous n'avez pas spécialement besoin d'une personne qui soit influente, et peut-être même que si vous faites intervenir quelqu'un comme ça, vous allez perdre de la crédibilité.
Oui, il y a ici, c'est là, on en termine avec les peines. Les peines se terminent, c'est fini. On va enfin vers la tranquillité. On va enfin vers une reconstruction ou une paix. De toute façon, on va vers une paix intérieure. On va vers. On va vers. Il y a une page qui va se tourner, qui va vous permettre de faire le deuil de quelque chose. En tout cas, votre peine ne sera plus, ne sera plus. En tout cas, ça va aller beaucoup, beaucoup mieux, beaucoup mieux. Parce que ça dépend de la peine que vous avez, ça dépend du pourquoi, mais ça va aller beaucoup mieux. Je confirme ici que vous avez, ça peut être votre papa, ça, en tout cas, ça me parle aussi d'un homme clair de cheveux, le roi de coupe. J'ai ici, effectivement, je confirme que vous avez une personne qui est tout le temps à vos côtés. Cette carte, c'est la personne qui est tout le temps à vos côtés. Il y a de l'amour, de la passion. C'est un homme, normalement, ce serait un homme blond, blond, clair de cheveux. Maintenant, c'est général, donc il faut relativiser ça. C'est une personne qui vous protège. En tout cas, il y a de l'amour, il y a des sentiments, j'allais dire de l'émotion, donc je le dis, je ne sais pas pourquoi. Il y a peut-être quelqu'un qui vous émeut, qui vous émeut, c'est ça qu'on dit? Donc. Vous allez être très très protégé. Pourtant, vous n'avez pas besoin de personnes influentes pour arriver à ce que vous voulez. Mais vous allez être protégé. Encore une fois, on a le diable, donc attention à la manipulation. Manipulation des autres, manipulation d'autres envers vous. Ne manipulez pas non plus les autres. Alors avec le chariot, ici, ça nous parle aussi du Sagittaire. Et on nous dit d'avoir conscience de vos droits, de votre pouvoir, de ce que vous pouvez faire ou pas. Il faut avoir conscience de ce que vous, de vos droits, mais quand même, on vous dit de lutter et de garder courage. Courage dans la lutte. Aller vers l'avant, mais toujours respecter les règles. D'accord? Parce que c'est très important ce mois-ci de respecter les règles. Si d'habitude ça fonctionne comme ça, eh bien cette fois-ci, ça ne va pas le faire. Donc respectez les règles. Après, vous pourrez de nouveau ne plus les respecter, mais ici, il faut les respecter. Alors, ici, vous avez ici une décision à prendre, hein, assez rapide. Il faut absolument prendre une décision ici. Cette carte me parle entre le 28 et le 1er août. Je ne sais pas si c'est à ce moment-là. Vous allez peut-être avoir une entrevue. En tous les cas, il y a une décision que vous allez devoir prendre sans tarder. À mon avis, pour fin juillet, début août, vous devrez prendre cette décision. Ou alors, vous ne le savez peut-être pas encore, mais dans le courant du mois de mai, vous allez apprendre quelque chose et vous allez devoir prendre votre décision pour ce moment-là. Ok? J'ai des. Ah. Ne jetez, ne laissez pas la proie pour l'ombre. Ça veut dire que si vous avez des nouvelles amitiés, c'est pas pour ça qu'il faut négliger les anciennes. Parce qu'on sait ce que l'on a, on ne sait pas ce que l'on va avoir. Donc ne négligez pas vos anciennes amitiés pour des nouvelles amitiés. D'accord? Faites attention aussi à qui vous pouvez avoir de nouvelles amitiés, bien sûr, mais. C'est pas pour ça, parce que vous allez les rencontrer, vous allez croire que oh, c'est vraiment une amie ou un ami que j'aurais dû avoir depuis longtemps. Alors, entre guillemets, elle va bien remplacer celle-ci qui est mon amie depuis beaucoup plus longtemps. Non, non, vous allez voir qu'il faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça, vous devez toujours considérer vos vieilles amitiés.
Ah, nous avons aussi, il y en a qui baissent la garde, pas vous. Si vous avez des ennemis, entre guillemets, donc des personnes nuisibles, elles s'éloignent, elles abandonnent, elles lâchent prise. Elles vont enfin dégager de votre vie et les mauvaises énergies ne seront plus présentes pour vous dans... ça c'est bien. Donc voilà, luttez avec courage. N'oubliez pas qu'il faut vraiment avoir conscience de vos droits. N'allez pas contre la loi. Ça me parle ici des Sagittaires. Là, nous avons les Scorpions. Là, nous avons les Capricornes. Faites attention à certains dangers qui pourraient arriver. Mais pour moi, les dangers, je ne sais pas pourquoi, ce serait par rapport à... Ah. Ne faites attention. Si vous devez prendre, par exemple, ici, on nous disait que vous n'avez besoin de personne pour arriver à ce que vous voulez arriver. Mais c'est vrai parce qu'il est possible pour certaines personnes que si vous vous demandez de l'aide, la personne, au lieu de vous aider, elle va vous enfoncer. Et donc, ce sera... essayez vraiment de faire tout seul ce que vous pouvez faire tout seul. Vous avez aussi ici ce mois-ci un aboutissement dans les entreprises diverses, d'accord? Un aboutissement. Nous avons ici des rencontres, nous avons des voyages, des courts voyages. On a ici, c'est la carte de la création, des mouvements, des connaissances, de la clairvoyance aussi, d'accord? Voilà. Vous pourriez aussi avoir une attirance pour quelqu'un. Ça peut parler de tendresse, ça peut parler d'amitié, mais une attirance. Je pense pas que ce soit vraiment de l'amour pour le moment, en tous les cas, ça se peut, mais j'ai pas la carte qui me le dit. J'ai pas de coupe du tout et j'ai pas la carte les amoureux, oui, les amoureux, etc. Donc voilà. Donc, vous allez vous libérer d'un certain poids, vous allez vous libérer de... Vous allez vous libérer de cette chaîne ou de ce boulet que vous traînez à la cheville depuis un bon moment. Vraiment. Ici, si besoin est, continuez de lutter. Continuez de lutter, n'abandonnez rien ce mois-ci, n'abandonnez rien, vous allez réussir ce que vous voulez entreprendre. D'accord? Vous allez réussir. J'ai le mardi et j'ai l'automne qui me parle ici. Au mois de novembre. Allez, va, c'est ouvert, mon cher. Va, fais pipi, j'en ai. Allez, va. Voilà, donc ce que je peux... Ah oui, on va prendre quand même le dos de deck pour voir. Nous avons ici le 7 d'épée. Donc on nous dit aussi de toujours bien réfléchir avant d'agir, de ne pas agir n'importe comment. C'est la carte de l'argent, cette carte. En tout cas, il faut surtout réfléchir parce que c'est la carte de l'argent. Donc, surtout réfléchir avant de vous engager dans quelque entreprise que ce soit par rapport à l'argent. D'accord? Donc, il faudra bien, bien, bien faire attention à ne pas faire n'importe quoi financièrement. Réfléchissez avant d'agir. Surtout, ça parle d'argent, hein, d'accord? Voilà.
Ok, ben. Stabilité, réalisation, succès, voilà, en résumé pour ce tirage. Enfin, voilà ce que je ressens pour ce tirage. Ok, voilà les amis, je vous souhaite un super mois de mai, je vous souhaite encore un bon anniversaire, et puis je vous fais plein de bisous, à bientôt!